De retour sur le plateau de la quotidienne KNF, et oui, tous les jours, midi, 18h, 23h, sur une seule chaîne, Éclair TV, chaîne 23 sur le satellite. Et aujourd'hui, on vous parle d'art sur papier, d'art sur les murs, d'art sur t-shirt. Et là, je reçois vraiment un artiste que tout le monde connaît, de Paris à la Guadeloupe, à la Martinique. Il est avec moi sur le plateau d'Éclair TV FM A1. Qu'a-nous fait? Nous là. Ça me fait plaisir de te recevoir. Grave, honnêtement. Moi aussi, franchement. Si, il y a 20 ans, on m'avait dit que j'allais t'interviewer pendant que j'étais dans le métro en train de regarder tes œuvres sur le mur. Franchement, je n'y aurais pas cru. Donc déjà, on a vu dans ton synthé que tu es artiste writer. Est-ce que tu peux expliquer aux téléspectateurs qu'est-ce qu'un artiste writer? Alors, un artiste writer, c'est quelqu'un qui fait du tag, qui écrit son nom sur les murs et qui, au final, a évolué. Ça veut dire qu'il a mis des contours par-dessus son tag, qu'il a mis encore des contours et qui, au final, a fait un bloc, un bubble, c'est-à-dire un lettrage rond, et qui, au final, ce qu'on connaît tous, qui a fait un graphe, le graffiti. Comme on peut le voir juste derrière toi, voilà, dans ton logo, c'est un petit peu ça. C'est Ewan qui est marqué juste derrière lui. Donc voilà, vous pouvez apprécier pendant toute l'émission. Donc d'où vient le tag? Parce qu'on aime beaucoup ça en Guadeloupe. On est très, tu sais, culture hip-hop, culture urbaine. On a grandi avec BET et compagnie. Donc on est, comme on dit en Martinique, on est très sur ça. D'où déjà vient le tag? Ça vient des États-Unis? Ça vient de France? Ça vient des États-Unis. Ça vient des États-Unis, de Philadelphie. Cornbread était le premier tagger. Après, ça s'est dirigé un peu dans tous les États-Unis, notamment vers New York, avec Taki, qu'on connaît très très bien. Et puis après, avec toute la vague, John Wan, ça. Voilà. Et comment toi, tu es tombé dans cet univers? À quel âge déjà as-tu commencé? Alors, alors moi, j'ai commencé à 11 ans en regardant dans les rues parisiennes et puis surtout dans les films américains. On voyait les décors, on voyait les trains passer dans les vieux films. Dans les vieux films américains, on voyait les trains passer complètement cartonnés de tags, de graffiti. Donc nous, on était là, qu'est-ce que c'est? États-Unis. Donc on voulait faire pareil. Et puis en voyant ce qui se passait un peu dans les rues parisiennes, je me suis dit pourquoi pas moi. Et comment est-ce qu'on commence? Tu as commencé avec, avec des bombes tout de suite, avec de la peinture, avec un pinceau? Comment on se pose la question, on ne connaît pas forcément cet univers. D'ailleurs, on voit en double écran, voilà ce que tous les Parisiens ont pu voir. Voilà, ça c'est un train à Amsterdam. Les Parisiens qui sont allés à Amsterdam ont pu voir. Mais justement, alors je vais même changer de question. Est-ce que tu ne t'es pas fait contrôler, attraper pendant que tu fais ça? Parce que c'est pas illégal. C'est illégal, c'est totalement illégal, il faut faire très attention, c'est une passion à risque, un peu comme un sport de haute voltige. Donc il faut faire très attention, parce que voilà, c'est des zones électrifiées, donc il y a des passages de train aussi. J'ai un ami qui est récemment décédé, Mimo, donc je fais une grosse dédicace à Vincent, MB qui est récemment décédé. Et puis c'est... Après c'est l'adrénaline, dans tout sport extrême. On aime cette adrénaline, donc pour moi le tag c'est un peu, surtout sur des supports urbains, s'introduire dans des endroits un peu inaccessibles. L'agent secret. Mais à quelle heure vous faisiez ça? C'était la nuit, la journée? Alors la nuit, au début, la nuit est venue beaucoup plus tard parce que j'étais jeune, je commençais à 10-11 ans, donc je ne pouvais pas sortir le soir. Donc malheureusement, je séchais les cours et j'allais le faire entre midi et deux. Et pendant la pause déjeuner des chauffeurs, je m'introduisais dans les hangars et je dégradais. Et puis j'attendais que mon métro il sorte vers les 16h et puis pour prendre des photos. Excellent. Mais petite question, lorsque par exemple, on va dire la SNCF voyait ça, à un moment, il ne kiffait pas parce que c'est beau visuellement, c'est de l'art, ça nous parle, c'était vraiment, il y a de belles couleurs, c'est artistique. Est-ce que la SNCF, au final, se disait pas, mais franchement, ça redonne un petit coup de jeune à nos trains, à nos gares, à nos ponts? Est-ce ou non, ils continuent à vous chasser ils nous ont chassés pendant très très longtemps. Ils continuent toujours parce que c'est quand même illégal, puis c'est de la détérioration. Donc effectivement, ils nous pourchassent, mais maintenant, je pense que vu qu'on fait complètement partie du paysage urbain, paysage même culturel, art urbain, tout ce qui mène derrière. Ça veut dire que maintenant, on a des collabs, ils nous appellent
Et ils nous avaient laissé des trains, même à dégrader, des vieux trains, ou carrément des murs sur la SNCF, okay. ou bien même des partenariats comme la Régie des Transports qui nous aident des fois à faire des projets. Excellent. Donc il y a un bon retour. Moi, je trouve que c'est une belle histoire. Donc, au final, comment as-tu appris à faire le tag ou même des graffitis? Est-ce que tu es autodidacte ou est-ce que tu as appris avec un grand frère ou avec un spécialiste? Alors, moi, je suis autodidacte. Ok. Mais j'ai quand même appris avec un grand frère. Ça veut dire que quand je dis ça, c'est parce que moi, je voyais les grands de mon quartier, notamment Congo, okay. qui est un grand de mon quartier, et que je voyais faire ses graphes et ses tags dans les années 88-89. Et je m'en souviendrai toujours, il avait tagué en bas de chez moi et puis il avait laissé les bombes par terre. Et moi, j'avais ramassé les bombes et j'avais commencé à taguer. J'ai commencé comme ça. Puis après, on trouve des choses, des marqueurs, des baranes, c'est les sortes de pour cirer les chaussures. Ok, d'accord, ouais. Voilà, donc on prenait ça, on remplissait dans encre, on trouvait, on innovait. Ok. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un petit peu ton art est un petit peu plus respecté? Parce que c'est vrai que même au niveau, tu vois, le hip-hop avant c'était décrié, maintenant on voit ça en spectacle un petit peu partout, la danse, que ce soit la danse ou le chant. Mm. Est-ce que là aujourd'hui, les tags et les graphes sont un petit peu plus reconnus et plus respectés? Bah là, tout à fait. Bah ouais. Là, l'art, il est reconnu, il est intégré, il est vraiment bien intégré dans l'art contemporain. Avant, je me rappelle, hein, quand j'étais petit, on me disait « Mais pourquoi t'écris sur les murs? Qu'est-ce que tu fais? Ça ne rapporte pas d'argent. C'était un fou. » Et maintenant, quand je dis « Ouais, je suis graffeur ou je suis writer », là, on me fait « Waouh, t'as une cote, t'es coté, t'es un artiste. » Donc, moi, j'ai suivi tout le changement. Donc, okay. pour moi, c'est excellent puisque… Avant, j'étais un peu un paria de la société. Exact. Et maintenant, je suis quelqu'un qui apprend des choses aux gens et qui peut même montrer et apprendre sa culture, qui est le street art, entre guillemets. Alors aujourd'hui, tu retournes en Guadeloupe? Ouais. Tu as un billet retour ou c'est non, bien non, 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 non. Voilà encore un enfant du pays qui revient. Si c'est pas mignon, tout ça, ils reviennent tous. Et oui, on revient, on est obligé, on revient vers… Alors, voilà. Tu sais que la Guadeloupe, comme je l'ai dit en intro, adore les graphes et les tags. Je pense que si tu te promènes un petit peu partout, ah, tu vas oui, voir j'en ça. Ai vu. Justement, est-ce que tu comptes te développer ici? Est-ce que tu comptes donner des cours? Est-ce que tu comptes même te rapprocher des graffeurs, des tagueurs? Comment ça se passe ton retour au pays? Alors, mon retour, c'est… déjà, il y a une grosse scène de graffes en Guadeloupe. Ouais. Il y a vraiment des graffeurs excellents. Je ne veux même pas nommer de nom parce qu'il y en a trop. Ouais. Voilà. Et on veut oublier personne. Voilà, et on veut oublier personne. Et justement, voilà, moi j'aimerais bien justement qu'on fasse plein de projets ensemble. Ouais. Je sais que Pac-Man, pour le citer, a fait un festival au Carénage qui est très bien. Je devais participer les dernières, mais bon, à cause du Covid, malheureusement. Ce n'est que partie remise. Voilà, je pense qu'il va en faire une cette année. Et voilà, je pense que c'est des projets comme ça. C'est des projets que j'ai envie de réaliser où, avec plusieurs artistes guadeloupéens, afro-caribéens aussi, même caribéens tout court. Décorer la Caraïbe et la Guadeloupe notamment. Mais bien sûr, parce qu'il y a de l'espace pour faire ça. Il y a de l'espace, il y a tout. Sûr. Mais tu, est-ce que ça arrive justement de mettre tes graphes, tes tags sur des toiles? Ouais. Et est-ce que tu exposes? Ah oui. Moi, c'est simple. Alors, moi, j'expose en ce moment. Je suis sur plusieurs expos, notamment Combat. Combat, bien sûr, qu'on voit pas. C'est jusqu'au 12 mars, n'hésitez pas. Combat. Dans un lieu très connu en Guadeloupe, il y aura les réseaux sociaux tout à l'heure, vous pourrez aller cliquer pour savoir où exactement, on ne peut pas faire de pub. Voilà, et d'autres expos, voilà. Ouais. Et puis des ventes aux enchères aussi pour le mois de juin, puisque je travaille aussi toujours avec l'Europe et la France notamment. Okay. On ne peut pas y réchapper. Et puis, des projets aussi dans la rue. Ok. Donc là, on voit en double écran, encore une fois, on voit tes œuvres. Mm. Est-ce que là, par exemple, quand on regarde quelque chose, on a quelque chose qui nous vient en tête, on voit le métro, on voit un petit peu tout, c'est le milieu urbain. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu? Alors, sur ce tableau, ce que j'ai voulu, c'est une période de ma vie. Ça veut dire que une période de ma vie est surtout qui est très importante, puisque c'est le début où je taguais, donc on voit les métros. Et puis, il y a l'évolution, on voit le graphe, le flop. Et si on redescend bien en bas, on voit vraiment un style de graphe qui peut être sur mur comme sur toile, qui peut être entre l'abstrait et même le figuratif. Et c'est tout mon parcours un peu que j'ai voulu mettre sur toile. Excellent. Et justement, donc, est-ce qu'il y a des codes dans elle ce paraît dans chargée, mais oui, il y a des codes. Ouais. Et oui, dans tout univers, il y a des codes. Il y a des choses à respecter? Il y a des choses à respecter. Bah, déjà, on est tous des taggeurs, des graffeurs, donc on est tous frères. Ouais. Quelles que soient les tendances, quelles que soient le milieu social, on est tous frères. Après, on graffe,
effectivement, il y a eu des concurrences, hein, on s'est un peu tiré la bourre. Ouais. Mais voilà, on a la même passion, c'est le graffiti, l'art, le tag. Et voilà, moi, c'est ce que je prône, c'est mon combat. Ok, c'est son combat. On vous rappelle d'ailleurs qu'il est dans l'exposition voilà. Combat jusqu'au voilà. 12 mars dans un endroit très connu ici même à Bemao, en Guadeloupe. C'est excellent. Mmh. Justement, on parlait de la connexion avec les autres îles. Mmh. Est-ce qu'il y a une autre île, peut-être anglaise, de la Caraïbe qui est réputée niveau tag? Parce que c'est vrai que nous, on est très tourné vers les États-Unis, vers aussi voilà, Paris parce qu'on connaît et qu'on a vu votre travail déjà très jeune. Est-ce qu'il y a des îles, peut-être la Jamaïque, la Barbade, Sainte-Lucie, qui sont réputées niveau tag et graffiti? Bah, je pense que niveau réputation, je pense qu'on a tous un peu notre petite réputation, okay. Chacun de notre façon. La Guadeloupe est quand même pas mal. Ouais, ouais, je te dis, hein, tu vas faire plaisir voilà, ici. Voilà, la Guadeloupe est quand même pas mal, la Martinique aussi. Ouais. La Guyane, je sais que la Guyane commence à vraiment… Il y a des artistes vraiment géniaux. Ouais. Et justement, en faisant des collabs, c'est ce que j'aimerais faire. Des collabs entre chaque île ouais. caraïbienne ouais. et justement ben, faire des choses ensemble et décorer excellent. Les îles, faire des échanges ensemble. Ok. Très intéressant. C'est encore une fois, c'est super. On a vu encore une autre œuvre. Est-ce qu'un particulier, question bête, hein, un cas particulier peut t'appeler, parce que mine de, encore une fois, vous êtes passé de limite paria à maintenant artiste reconnu. Donc est-ce qu'aujourd'hui tu peux mettre une nouvelle colle à ton arc, c'est-à-dire aller chez un particulier, surtout jeune, la nouvelle génération, adore taguer les murs de chez soi. Tu fais ça aussi? Alors, ou tu restes spécifiquement vraiment sur ton art, ton exposition, moi, et que tu ne vas pas aller d'autres. Alors, moi, je reste que sur mon art, ça veut dire la rue, la toile. Moi, je suis quelqu'un qui tague, qui graffe, et sur tout support. Ok. Voilà. Après, je ne fais pas de décoration d'intérieur, je ne fais pas de choses comme ça. Par contre, il m'est arrivé, j'ai fait plusieurs ateliers graffiti, découvertes pour des jeunes du Gosier, parce que je suis originaire du Gosier et de Margaillard, précisément. Donc j'ai fait quelques petites interventions dans des écoles. Ouais. D'accord. J'ai appris à notre jeunesse guadeloupéenne un peu qu'est-ce que c'est. Mais bien sûr. Mais il faut, c'est la transmission. Mais bien sûr, mais je t'ai dit, tu vas avoir énormément de coups de fil, d'appels et de mails sur tes réseaux. Parce que honnêtement, le graphe, on adore ici. Et justement, est-ce qu'il y a des lieux, parce que je suppose que tu nous l'as dit tout à l'heure, le challenge, aller braver l'interdit, est-ce qu'il y a des lieux hyper connus que vous avez déjà tagués? Alors, oui, des lieux connus et notamment un ami à moi qui fait partie de mon collectif et je fais aussi partie de son collectif qui avait fait le Louvre. Le Louvre, les amis. La station Louvre à l'époque. Et Je n'ai pas trop parlé en 1991. En 1991 et ça avait fait du bruit. Ouais. Donc, c'était l'art urbain qui rentrait violemment dans l'art contemporain, notamment au Louvre. Exact. C'était vraiment un impact, vraiment. Quelle est pour toi ta meilleure œuvre ou ton meilleur souvenir? J'en ai plein, c'est très dur. Tu peux donner deux, trois. C'est bon, on va pas rester. Ouais. La question est difficile. dans une grande maison de vente, en bas des Champs-Élysées, où j'ai fait un quatre-mains avec un ami à moi. Et là, c'était vraiment la validation d'être artiste connu et reconnu mondialement. Pour moi, c'était vraiment un honneur. Et quels sont tes projets là, en 2021? On sait que forcément, à cause de cette pandémie, c'est un petit peu compliqué pour les artistes. Déjà, est-ce que tu as pu constater ici ou en Guadeloupe qu'on n'a pas forcément de lieu pour vous accueillir totalement, vous exprimer? Est-ce que tu comptes, je ne sais pas, développer, puisque tu es rentré au pays, développer un endroit fixe pour justement permettre d'accueillir tous les artistes? Artistes peintres, artistes en relief, artistes writers. Est-ce que ça, c'est une idée qui trotte déjà dans ta tête? Tout à fait. Tu as lu dans mes pensées. Voilà. Tu as très bien lu dans mes pensées. Donc, c'est un projet à venir. J'aimerais bien faire un peu ce qu'il fait aussi en métropole. C'est vraiment des échanges, et même des résidences artistiques. Ouais. Entre artistes, mondiaux, et voilà, faire des échanges. Les faire venir, les faire repartir. Nous-mêmes aussi, s'exporter aussi. Exact. S'exporter dans d'autres lieux. Il y a des compétitions de ce genre de style, de writers?
Oui, il y aura toujours une compète puisque on a notre propre style. Mais une compétition ouverte à tous. Oui. Ouais. Ouais, c'est ouvert à tout le monde. Il y a ici en Guadeloupe ou même à la Martinique ou même dans la Caraïbe, il n'y a pas encore ce genre de compétition. Oui. Alors, on appelle ça des battles, mais ouais. ça se fait. Mais bon, j'en ai fait en Hollande. Ouais. Après, ça se fait aussi à Paris. Ouais. En région parisienne aussi. Et ouais, ça se fait, c'est gentil, ouais, ça se fait. C'est gentil, mais c'est pas encore bien développé. C'est pas encore bien développé. Je pense que c'est un de tes futurs projets aussi. Voilà. Je reconnais ta vie ici. On va faire les choses. Justement, quel est ton rêve pour le graphe et mais pour ouais. le tag ici dans la Caraïbe Quel est ton rêve justement pour le tag ici dans la Caraïbe? Et quand je dis Caraïbe, c'est vraiment, encore une fois, Guadeloupe, Martinique, Guyane, un petit peu pour nous tous. Eh bien, que vraiment on officialise vraiment l'art caribéen, surtout l'art guadeloupéen, le graffiti guadeloupéen. Ouais. Parce qu'il y a un graffiti guadeloupéen. Et malheureusement, moi je suis guadeloupéen. Ouais. J'étais en métropole, j'ai une bonne réputation. Voilà, on va m'affilier au gars du quartier 2. Mais je suis guadeloupéen. Ouais. Je reviens au pays, je vois qu'il y a, énormément. J'ai eu la chance d'avoir de tourner un peu dans le monde entier, de voir un peu les autres writers. Et n'a rien à envier au monde entier, donc pourquoi pas, je veux qu'on soit reconnu en tant que graffeur guadeloupéen et voilà, qu'on s'exporte et qu'on dise voilà, nous on est des artistes caribéens guadeloupéens. Justement, qu'est-ce qui caractérise l'art de la Guadeloupe? Et encore une dernière petite question, est-ce que tes influences ont changé par rapport à la vibe qu'il y a ici? Forcément, il y a moins de béton, il y a plus de soleil, il y a la mer, les gens sont souriants, il y a du créole partout. Bah oui. Alors forcément, est-ce que ça va changer un petit truc à ton art? Ça a déjà changé par rapport à certaines couleurs, parce qu'ici, il y a beaucoup de couleurs. C'est-à-dire qu'on est inondé de couleurs, submergé par toutes les couleurs de la nature, de l'eau, du ciel, de tout. Alors que, bon, en métropole, bon, ben, on a le béton. Gris béton, et c'est à nous d'innover et se recréer une couleur. Donc l'esprit est plus facile ici Bien sûr. Bien sûr, l'esprit est plus facile ici. La détente, le calme, l'eau, l'eau qui coule de la cascade. On pose et là, j'ai pas de problème de création. Je me pose et je crée. Okay. Ouais. Excellent. Et donc, je vais revenir à la toute première question. Qu'est-ce qui caractérise justement notre art ici? Est-ce que justement ce sont les couleurs? Le fait qu'il y ait peut-être plus de couleurs, que ce soit un petit peu plus vivant, pour toi c'est ça? Ouais, c'est ça. Cette chaleur, ouais, c'est ça. C'est cette culture, cette chaleur, cet environnement. Voilà. Ok, en tout cas je vous rappelle qu'il est bien sûr à l'exposition, lui aussi, combat jusqu'au 12 mars. Il s'appelle Ewan. Franchement, n'hésitez pas, on va donner ses adresses sur les réseaux sociaux pour aller le suivre. Et même, vous allez sur son Instagram, vous verrez toutes ses œuvres. C'est vraiment magnifique, ami graffeur, tagueur. Je sais que vous aimez ça ici. N'hésitez pas, il est là sur le plateau. Mmh. On va donc donner tes adresses. Est-ce que tu es connecté sur Facebook, Twitter, Instagram? Est-ce que tu as même un mail? Vas-y, balance tout. Oui, ça va s'afficher. Voilà, tout s'inscrit. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Et puis voilà, pour des projets, pour plein de choses. Et c'est quoi le TPK? On va jusqu'au bout des choses. Alors TPK, c'est mon collectif que j'ai créé avec Zib en 94 à Montreuil et dans l'Est parisien, qui veut dire The Psychopath Killer. Excellent. Voilà. En tout cas, n'hésite pas à tuer les murs d'ici, parce que nous on aime ça. Franchement, si tu avais un tout dernier message justement à faire passer à toute la Caraïbe, Guadeloupe, Martinique, Sainte-Lucie, Dominique, Haïti, Jamaïque, Barbados, oui, nous regardons tous. Bah, ta caméra est juste là, vas-y, n'hésite pas. Eh ben voilà, on est tous ensemble, même bagaille, même bitin. Voilà, force. L'homme est sur le plateau de KNF. Encore une fois, merci d'être passé. Dès qu'il y a une petite nouveauté, une exposition, je ne sais pas, tu veux donner des cours, tu as besoin de te faire entendre, tu repasses sur le plateau. Il n'y a pas de souci. Et merci pour ce que tu m'as fait voir quand j'étais à Paris. Ouais. Franchement, c'était magnifique. Et oui, on salue Paris. De toute une fois, revenez au pays. Et bon retour au pays. Merci, merci à toi. Nous, on se retrouve bien entendu demain. Juste le temps pour moi de saluer mon sponsor. Et oui, celui qui m'habille de la tête aux pieds. Mais pour ça, vous connaissez la chanson, il faut descendre à Basse-Terre. Je parle bien évidemment de l'écran. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro de KNF sur Éclair TV, chaîne 23 sur le satellite. À demain.